Le goûter des animaux. Bonjour les amis, je vais vous chanter un secret. Quand des mots blessent mon cœur, je peux calmer ma douleur. Je l'emmène en voyage, hop, on traverse les nuages. Et on arrive dans la vallée des couleurs. C'est un lieu enfantin où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles, le lutin, nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous. Épisode 11. Le chien. Ouaf, ouaf. Bonjour les amis. C'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles? Lutin Gilles. Coucou, me voilà. Bonjour Audrey. Bonjour Lutin Gilles. Bonjour les amis. Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter? Je ne sais pas, mais j'ai entendu un petit bruit par ici. Ah oui? Oh, une pie! Non, c'est un chien. Ben, regarde, il a fait pipi, donc c'est une pie. Non, c'est quand même un chien, mais qui a fait un gros pipi. Ah mais oui! Dis, comment s'appelle-t-il? Attends, je vais lui demander. D'accord. Rêveur. Il s'appelle Rêveur. Oh, et de quoi rêve-t-il? Ouaf, ouaf! Il rêve d'avoir un ami renard. Oh, moi aussi j'aimerais bien ça. Dis Rêveur, veux-tu venir t'asseoir avec moi? Ouaf, ouaf! Alors, voici la place des invités. Et moi, je me mets à côté. Et maintenant, je vais vous préparer une boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. La cacophonie bulle, c'est parti en musique! Voilà, c'est prêt. Wow. Tiens, André. Merci. Tiens, Rêveur. Allez, Rêveur. Et maintenant, si on buvait? Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter. Dis, Rêveur, que veux-tu pour le goûter? Oh. Il voudrait jouer à cache-cache avec un renard. Oh oui! Alors on va te faire un goûter en forme de renard. Et pour le faire, on aura besoin de fruits comme... Une fraise, oui! Oui, Madame Fraise. Et maintenant, place au goûter! C'est parti, Rêveur, pour un goûter en forme de renard. Pour le faire, on aura besoin d'une fraise. Quoi, Rêveur? Oh, je crois que tu n'as pas du tout envie de fraise. Alors, à la place, on va prendre 3 tartines. 1, 2, 3. On en garde une, dont on tartine le centre, de purée d'amande blanche ou de beurre. Puis, on recouvre les bords d'une pâte à tartiner couleur marron. Ensuite, on prend la deuxième tartine et on recouvre les oreilles, le menton et les joues avec une pâte à tartiner blanche ou du beurre. Puis, on recouvre de pâte à tartiner couleur marron le reste du visage. Il ne reste plus qu'à poser une pépite de chocolat au bas de la tartine pour faire le museau. Oh, et avec une banane qu'on pèle et dans laquelle on coupe 2 rondelles, on fait les yeux du renard. Et en plaçant sur chaque rondelle une pépite de chocolat, on fait les pupilles.
Pour finir, on prend la troisième tartine dans laquelle on découpe la forme d'une queue de renard. Et maintenant, on recouvre son extrémité de beurre ou de pâte d'amande et le reste de pâte à tartiner couleur marron. Voilà, le goûter en forme de renard est prêt. Tu peux jouer à cache-cache avec lui, rêveur. Allez, petit renard, cache-toi. Il est caché, rêveur. Tu peux le chercher. Oh, tu es sur la bonne piste. Youpi, rêveur, tu t'es fait un copain renard. Ouaf, ouaf. Rêveur est vraiment content. Les amis, et si maintenant on chantait une comptine sur un chien? Oh oui, bonne idée, une comptine. Vous êtes prêts? Oui. Ouaf, ouaf. Alors c'est parti. Petit caniche, sort de sa niche. Ouaf, ouaf, il aboie. J'ai soif et il boit. Oh non, caniche, que fais-tu? Pas pipi sur mon tapis. On la refait? Oui. Super, plus vite. Petit caniche, sort de sa niche. Ouaf, ouaf, il aboie. J'ai soif et il boit. Oh non, caniche, que fais-tu? Ta pipi sur mon tapis. Oh, chanter, ça fait du bien. Oh oui, et aussi bouger les mains. Oui. Dis, rêveur, est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux? Ouaf, ouaf. Et toi, Audrey, je crois que tu as retrouvé le sourire. Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Et tu reviendras au goûter des animaux? Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter. Au revoir, les amis. Au revoir.